Salut les pilotes, c'est un nouvel épisode de Wow Test Drive Unlimited. Je devrais peut-être me garer sur le côté. Ça a l'air dangereux. Ouais. Je vais même rentrer dans le driving. Voilà. Bon, alors, retrouve donc pour une nouvelle course de TD. Nouvel épisode, en fait. Et donc, eh bien, la dernière fois, on était donc avec cette Nissan 350Z. On va continuer, en fait. On va continuer à la rouler. Il y a d'autres courses à faire, donc je vais faire celle-là. Ce sera cool. Elle va jusqu'où? Ah, ok. Nous recalculons votre itinéraire. Ça va finir par rentrer. Votre destination se trouve à 2 km. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. Votre destination se trouve à 1,5 km. Votre destination. J'ai des espèces de micro-saccades, c'est assez gênant. Ce qui est hallucinant, vu que j'ai, je sais pas, peut-être une dizaine de fois la config minimale pour jouer. Vous avez atteint votre destination. Et l'autre, il me rentre derrière. Mais je comprends pas ces PNJ. C'est vraiment spécial. Où il va? Mais que fait-il? Le gars s'ouvre avant le virage. C'est épique. C'était un peu limite ça, j'aurais dû passer sur la gauche, c'était beaucoup plus simple. Mais bon, fait le show. Super courte la course. En même temps, on est quand même au début du jeu toujours, même si c'est quoi, le 4e ou 5e épisode. Bah bon.
Ça fait quand même bizarre d'avoir des courses aussi courtes en fait. Mais bon, vous en faites pas, ça va monter crescendo. Je vais en faire une autre. Je vais tester ça, la boucle du branchu. Nous recalculons votre itinéraire. Super stylé, ouais, j'ai une voiture puissante. Je fais des demi-tours en burn. Et très franchement, ce jeu, je sais pas, il y avait une espèce d'ambiance dans ce jeu. J'ai jamais réussi à comprendre. Oh, c'est bizarre ça. Une espèce d'ambiance de, je sais pas, gentleman driver, enfin j'en sais rien. Une ambiance que je n'ai quasiment retrouvée dans aucun jeu, à part peut-être des Gran Turismo ou possiblement des Forza. Ouais. Forza Horizon, par exemple, ouais. Qui réussit encore à avoir un petit peu cette ambiance-là. Mais il est bien le seul, hein. Il n'y en a pas d'autres. Ouais, ça méritait bien un petit coup de klaxon, quoi. Le gars me voit arriver sur la file de gauche. Il se met quand même sur la file de gauche, alors qu'il n'y a personne à doubler en plus. J'avais complètement oublié ce passage-là. C'est un peu un piège ici. Fond de 6. Non, bon, 6ème, pas fond de 6. Pourquoi les PNJ roulent à gauche? Oh là là. Ah bah voilà, forcément, hein. Votre destination se trouve à 2 km. C'est un peu comme si le PC était trop puissant pour le jeu et le jeu arrivait pas à s'accorder en fait. Je sais pas, j'arrive pas à expliquer ces bugs bizarres, surtout au niveau du trafic. Votre destination se trouve à 500 mètres. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. Vous avez atteint votre destination. C'est triste quand je me trompe de touche. Bon, bah on va y aller. Ah, il y a une jauge de pilotage, j'avais même pas fait gaffe. Tournez à gauche. On va essayer de conduire bien, hein. Rien que pour ça. Prochaine intersection, tournez à droite. Je sais que Minima va penser que j'y arriverai jamais, mais j'en suis capable. Je suis sûr de ça. Et arrête de ne pas croire en moi. Je sais conduire, surtout dans TDU. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche.
prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. Ah, merde. Bon, pas de parfait. J'ai perdu un petit point. Bon, c'est pas très grave. Tournez à gauche. Prochaine intersection, tournez à droite. Tournez à droite. C'est bête ça. Prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. Ça, c'était un bon talon pointe. Ça va finir par rentrer. J'en démarre pas. Je vais finir par y arriver. Vous voyez, la pénalité, bon, c'était pas énorme. Hein. 0,70 secondes. Bon. C'est pas la fin du monde, quoi. Hein. Puis j'ai toujours 10 secondes de... Ah merde! En fait, je suis deuxième. En fait, j'ai 10 secondes de retard, en fait. Ok. Ah non, je vais la refaire. On l'a refait, mais beaucoup plus rapide. Tournez à droite. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. En fait, faut vraiment être très rapide sur les rétrogradages. Pas avoir peur d'y aller. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. Intersection, tournez à droite. Tournez à droite. Faut le faire en moins de 2,25. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Mince, je suis trop lent. Je suis trop lent. Comment je peux être aussi lent? C'est bizarre ça. C'est super bizarre. Je vais réessayer et je vais freiner moins dans certains virages.
Bon, moi j'améliore de 0,13 là. ok, c'est bon. Ah mince, là j'ai perdu du temps là. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. J'ai un poil abusé là quand même. À la prochaine intersection, tournez à droite. Tournez à droite. Prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. À la prochaine intersection, tournez à gauche. Tournez à gauche. Toujours trop lent. Pourquoi je suis aussi lent? Je comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, je vais quand même passer à autre chose. Hein. Nous recalculons votre itinéraire. Votre destination se trouve à 1 km. Votre destination se trouve à 500 mètres. Pourquoi ? Vous avez atteint votre destination. Ok, c'est un autre type de petite vitesse. D'habitude, c'était les radars. Et celle-là, il faut atteindre les 226 km/h. On peut presque tricher là. C'est beaucoup plus facile si on va sur la ligne droite. Il suffisait d'y penser. Ah mince. Et j'ai quand même réussi à me planter. Il me reste 10 secondes, c'est mort. J'ai réussi à rater ça. Bon, pour la peine, on va essayer de le faire normalement.
Je profitais de son inspiration. Allez, tu peux le faire. Tu peux, voilà. C'était limite. C'était super limite. Mais bon, je l'ai fait. Bon, bah, je pense qu'on va se laisser là pour ce soir. Bah, je vais juste dire ciao.